Beste kijkers, welkom in een nieuwe aflevering van Kids TV Drogenbos. Vandaag gaan we op stap in de gemeente om mensen te interviewen die hier werken. We gaan door in het Frans. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici sur Kids TV. Nous allons faire quelques interviews. Nous sommes déjà passés dans la maison communale et nous allons faire encore quelques interviews. Dus dag allemaal, ik ben hier met Schepen Klaasens en ze heeft voor ons tijd genomen om wat vragen te beantwoorden. En mijn eerste vraag is, zou u mij zo wat kunnen uitleggen wat uw functie is binnen de gemeente? Ja, ik ben eerste Schepen, dus dat wil zeggen dat ik insta voor de burgerlijke stand. Dus, en dan heb ik nog de bevoegdheden van jeugd, sport, informatie, communicatie, dus feestelijkheden. Alles wat dat er gebeurt in de gemeente eigenlijk. Oké, en wat voor feestelijkheden organiseert u? Ah, dat is zowel jeugd, dat is Dag van de Jeugd, dat is Sinterklaasfeest, dat is Halloween. Ook de Rommelmarkt, de Lenteavondmarkt, de Jaarmarkt. Dan Feest van de Derde Leeftijd. Dan doen we ook nog... Ja, nu weet ik het niet meer. Ja, heel veel. Waarom hebt u dit beroep gekozen? Dat is een bijberoep. En dat is ook omdat je ook wilt instaan voor de mensen. De mensen helpen op alle gebied. Dus, en als je dat graag doet, ah, wel, dan mogen je naar de politiek gaan. Ah, oké. Wat zou er beter moeten zijn voor de jongeren in Drogenbos? Ja, wij zouden wel graag een clubhuis willen voor de jongeren. Maar dat is wel heel moeilijk hier in Drogenbos, aangezien dat er ook kinderen komen van andere gemeentes. Het is ook voor de veiligheid is het moeilijk. Dus, maar dat is wel een van de grote wensen dat wij hebben. Van eigenlijk een clubhuis te hebben voor de... Maar dat hebben we momenteel, hebben de animatoren van de speelplein... Die hebben dat nu al ontvangen. Die hebben dat al, hè, nu. Ja. Ja, en om af te sluiten, wilt u nog iets zeggen aan de jongeren die kijken? Ah. Voilà, blijf in Drogenbos. Wij zijn hier gelukkig. We amuseren ons. Voilà, kom naar de speelplein, kom naar de krabbers. Voilà. Bedankt voor uw tijd en tot de volgende keer. Bonjour à tous, je suis ici au Coin Croustillant, la boulangerie de Drogenbos. Et je suis ici avec Mathieu, et qui travaille ici depuis un mois. Depuis un mois, c'est ça. Je vais lui poser quelques questions en espérant d'avoir une réponse. Alors, que faites-vous dans la vie? Alors avant, j'ai fait mes études menuisier à The Moscow Hall. Et avec mon frère, on a décidé de lancer l'affaire de boulanger sans déchirer. Donc ça fait un mois. Et qu'espérez-vous avec ce projet que vous avez lancé? Alors, déjà en fait, c'est un grand service qu'on rend à la population et ce métier-là, en fait, ça me plaît beaucoup parce que je vois que les gens sont très heureux de goûter notre qualité, les prix très honnêtes et voilà, de leur faire redécouvrir ce qui manquait ici. Depuis qu'ils ont ouvert la route, les gens passent plus par là, donc il y a plus de passages. Et c'est ce qui manquait en fait ici, une boulangerie, une sandwicherie, un endroit pour manger tranquillement. Donc on a lancé le concept. Habitez-vous à Drogenbos? Oui, j'habite juste de rue à côté. Ah, ça d'accord. Fait 17 ans qu'on habite là. Ah ok. Et que pensez-vous de la commune? C'est une très belle communauté, très sympathique, bilingue et les gens entre eux s'entraident bien. Donc il y a toujours l'ambiance en fait, même avec les personnes âgées, j'ai remarqué qu'ils aiment bien discuter avec nous et c'est pour ça que je me lève chaque matin pour pouvoir discuter avec les vieilles personnes. Donc Mathieu, voulez-vous encore rajouter quelque chose? J'aimerais inviter toute la population de Drogenbos, de Ligne Québec, de Bercelles à venir d'autres magasins pour venir découvrir notre nouveau
notre nouveau commerce. D'accord, merci pour votre temps et à la prochaine alors. Hallo iedereen, we zijn hier met Dr. André. Dr. André, mag ik u enkele vragen stellen? Graag, Andreas. U mag dat zeker doen. Oké. Okay, als je dokter was, heb je veel mensen gezocht? Ja, ik ben ondertussen van 1970, dat wil zeggen 46 jaar geleden, begonnen als dokter. En ik heb dus op al die tijd heel vele mensen verzorgd. Doe ik vandaag ook nog altijd. En ik ben daar heel blij om, want dat is een heel, heel aangenaam werk. Waarom hebt u deze... Dit beroep gekozen? Ja, kijk, hè, als men jong is, wil men iets doen. En ik dacht, goh, ik ben altijd zeer sociaal geëngageerd geweest. Weet je, in de jaren 60 was ik giroleider, jeugdbeweging dus, heb ik de speelpleinen gedaan gedurende vele jaren. Ik heb dus ook gedaan wat uw monitoren vandaag doen, als jeugdleider. En ik vond dat ik wel misschien iets kon doen voor de mensen. En dan heb ik gekozen, ja goed, je kunt zoveel dingen doen. Maar ik vond geneeskunde en dokter zijn vond ik toch wel iets speciaals. Ik heb ervoor dan ook speciaal gekozen. En ik heb het mij vandaag nog altijd geen seconde beklaagd. Heeft u soms uw job willen stoppen? Nee, helemaal niet. En ik ben nu toch al bijna 8 jaar gepensioneerd. Ik ben ondertussen bijna 73 en ik doe mijn job nog altijd zo graag dat ik niet kan of wil stoppen. Misschien nog 10 jaar, misschien nog 1 maand, ik weet niet. Ik ben ook maar een mens, ik kan ook ziek worden, ik kan ook moeten stoppen om die reden. Het kan ook zijn dat er een moment komt dat het allemaal wat veel wordt en dat je zegt, oh jongens, nu ben ik het beu, maar tot nu toe nog niet en dus doe ik nog maar voort. Oké. Mag u een anekdote, grappig of iets anders vertellen? Meer dan 1 keer ben ik naar school moeten gaan voor kinderen die wat in hun neus hadden gestopt. Zo, kent dat wel, kleine Lego-blokjes of pareltjes. En dan was het natuurlijk grote paniek, nu dat kon geen kwaad. Maar het moest er wel uit geraken, dat was soms wel eens even niet zo makkelijk. Ofwel in hun oren, dat zat ook regelmatig eens een pareltje of een andere ding in. Enfin, dat waren de grappige en de plezante momenten waar we echt deugd aan hadden, omdat dat plezant werken is met onze handen. Bonjour à tous, alors je suis ici avec un chauffeur de la STIP. Comment vous appelez-vous? José. Quel âge avez-vous? 44 ans. 25 ans, pardon. Non, 44 ans, plus sérieusement. Et j'ai quelques questions pour vous, si vous voulez bien les répondre, s'il vous plaît. Oui, je peux essayer, en tout cas, oui. Alors, première question, pourquoi avez-vous choisi ce métier? Oh, ça c'est... Oui, aucune idée en fait. Je travaillais dans le privé, puis je me suis dit, oui, pourquoi pas la STIP, tout simplement. J'avais des membres de la famille qui travaillaient donc à la STIP, et voilà, finalement, je suis arrivé comme ça. Okay. C'est plus comme ça, oui. Une anecdote marrante ou curieuse? Ça, il y en a beaucoup. Oui, aucune idée. Oui, là, comme ça, ça me revient pas, par contre. Oui, non, là, j'ai... Oui, bon, il y en a plein, mais ça me revient pas. Enfin, on voit de tout dans notre tram, en fait. Il n'y a plus rien qui nous étonne, voilà. J'ai pas une qui me tombe comme ça sous la main, voilà. Les enfants de Dragon Boss sont préoccupés par la vitesse à laquelle quelques de vos collègues roulent dans la rue de l'église. Qu'en pensez-vous? Ah oui, c'est là où il y a l'école, là. Oui. Mais oui, la vitesse, c'est relatif avec un tram. Parce qu'un tram, quand tu roules à 30 à l'heure, comme ça vibre énormément, tu as l'impression que ça va vite. Mais il faut reconnaître qu'il y en a certains qui roulent plus vite que d'autres, effectivement, donc voilà. Mais voilà, il n'y a pas de limitation de vitesse, donc théoriquement, on peut rouler... Un tram qui roule à 50 fait plus peur, évidemment, qu'une voiture, mais voilà. Généralement, on n'est pas à cette vitesse-là, mais j'imagine qu'il y a quelques collègues, oui, voilà. Dag, beste kijkers, welkom in de speelplein de Krabbers. We zijn hier bij Estelle, de hoofdmonitrice, en we gaan haar een paar vragen stellen. Pourquoi les Krabbers et pas une autre plein? Tout simplement parce que mon cousin il travaillait à la commune et que via lui, j'ai découvert les Krabbers et que je suis venue ici. Et puis comme j'étais ici et je me plaisais bien, je suis restée ici. Je n'ai pas changé. Wat vind je leuk aan dit beroep? Vooral de omgang met de kinderen en om zo altijd buiten te zijn als het in de zomer. Dat is veel leuker dan bijvoorbeeld in de koolruit binnen in de winkel of zo.
Wat vind je het leukst? Gewoon monitor of hoofdmonitor? Eigenlijk doe ik de twee heel graag, maar uiteindelijk toch nog liever animator, omdat ik dan meer met de kinderen bezig ben. En hoofdanimator is meer zo het papierwerk en alles wat er rond hangt. Maar dat is ook heel leuk, maar toch liever animator. Oké, bedankt voor uw tijd en tot de volgende keer.